Bonjour. Alors. Donc. Nous sommes l'équipe de Visiteurs du Futur, mais attendez, parce que il manque quelqu'un, il manque Florent. Florent, t'es où? Florent? Je peux pas, je fais caca! Non, Florent, non. Non, cette blague est très saisonnière. Blague, blague. Je faisais pas caca. Très saison 1 comme humour. Là, on... Voilà, maintenant, voilà. Donc, nous sommes le Visiteur du Futur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en vois qui sont assis, donc ils ne connaissent pas, ou alors ils ne peuvent pas se lever, je ne sais pas. Eh bien, on est une série de science-fiction, d'humour. On a commencé assez humblement, à l'arrache, comme on dit. Et en fait, après, grâce à No Life, qu'on remercie encore, on a pu accéder à des moyens. Et Ankama va donc, est même en train de produire, en ce moment même, la saison 3 du Visiteur du Futur. Alors, qu'est-ce qui change quand on a de l'argent? Déjà, ce qui change, c'est qu'on est mieux habillé. Alors, je parle pour moi et pour Isabelle. Et je viens de remarquer. Mais alors, quelle idée? Est-ce que l'un est en cosplay de l'autre? Je sais pas. C'est assez absurde. Hein. Ouais, j'ai beaucoup inspiré Slim dans le style. Mais bon, il y a d'autres choses qui changent dans une saison 3 produite, n'est-ce pas, Slim? Alors, oui, j'ai un micro. C'est vrai que, pour ceux qui ont suivi un petit peu la série, moi, je joue principalement, en tout cas dans les deux premières saisons, dans une cave. Et là, il se trouve que, pour la saison 3, je joue dans une cave plus grande. Et pour toi, Florent, qu'est-ce qui change dans une saison 3 produite? Alors, je veux pas spoiler, vous serez pas dépaysé, c'est toujours le même costume, et là, ça, c'est l'odeur, ça pue encore plus, voilà, c'est le costume. Je confirme. Et pour toi, Isabelle, qui joue Stella quand même, qu'est-ce qui change dans une saison 3 produite? Ah oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Isabelle est très timide, et quand elle est timide, elle danse. Donc, n'est-ce pas Isabelle? Mais bon, on n'est pas venu les mains vides. Non, exactement. Non, puisque... Vous allez voir en avant-première un extrait de la saison 3 de Visiteurs du Futur. Donc, vous allez voir qu'on a fait du chemin, on a voulu repousser les barrières et voilà. Et donc, dans quelques... Moi. Dans quelques temps, sur vos écrans, voilà ce qui va se passer. All right, me little fellows, that's the plan. Groovy. Hear what's gonna happen. We're going to follow the people. Okay, stop the bullshit. We're gonna kill the motherfucker man. So groovy. No. Let's just tell the truth to that motherfucker man. Not so groovy. All right, cut it out. Now we have to listen to my very best friend, Henry. Well, as a humanist, I think it's not good if another one bites the dust, because everybody wants somebody to love, and as a machine, what I want is I want to break free. Putain, fais chier, nos lives depuis qu'ils ont de la thune nous obligent à parler anglais, la merde! What's wrong with that girl? Let's have a cup of tea, no?